Comment utiliser la fonction recherche X dans Excel? Démonstration avancée pour maîtriser les options de cette fonction dans cette vidéo. Salut, c'est David le Toulousain, ici tu es au meilleur endroit pour apprendre Excel grâce à des tutoriels dynamiques et très concrets. C'est parti, premier cas d'usage, je veux rechercher une référence dans mon relevé bancaire ici et je veux récupérer le montant. Sauf que je vais dire que cette référence n'existe pas. Ok, je vais l'appeler 999. Si j'écris ma fonction recherche X, que je vais rechercher cette valeur là dans la référence ici et en valeur de résultat je veux le montant, et bien ici j'ai la valeur NA. Comment faire pour que au lieu d'avoir NA je veux avoir pas de référence? Donc je vais faire le dernier paramètre qui s'appelle si non trouvé, donc je vais appeler pas de référence, et ici j'ai bien pas de référence qui s'affiche à la place de l'erreur NA. Deuxième option, on va dire, tiens, je vais saisir une référence qui n'existe pas, mais je veux la valeur la plus proche. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien que j'ai deux références que j'appelais ref 3. Si je mets par exemple ref 004, que va-t-il se passer? Là, il dit qu'il n'a pas de référence. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est trouver la valeur la plus proche, la plus grande. C'est-à-dire, je veux avoir 5, ici 120. Donc ici, j'ai la possibilité d'exprimer ça avec le paramètre qui suit. Je te coupe un instant, si tu cherches à maîtriser plus de fonctions Excel, j'ai créé un programme spécifique, une formation en ligne que tu peux te procurer sur mon site demoformation.com. Elle va vraiment t'aider à être beaucoup plus à l'aise avec les fonctions Excel. Soit je veux une correspondance exacte, soit je veux une correspondance exacte ou l'élément supérieur suivant. Alors je vais mettre ça, paramètre 1, qui correspond à l'élément supérieur suivant. Et on va voir ce qui se passe. Oh yeah. Ici, j'ai bien 120 puisqu'il a cherché la référence 4 avec la suivante, c'est la 5. Si jamais j'avais mis la valeur à l'élément inférieur suivant, qu'est-ce qui se passerait? D'après vous, eh bien, j'ai la ligne 3. Mais la ligne 3, elle est encore en doublon. Donc, j'ai vraiment la plus inférieure, c'est-à-dire 40,25. La première qui trouve. Autre exemple intéressant, si je veux saisir une référence, mais je ne sais pas à la fin, je veux saisir un étoile à la fin, c'est-à-dire ref 00 étoile, ça désigne plein de caractères. Je peux avoir ref 001, 002, 003. Alors, est-ce que la fonction recherche X permet d'exprimer ce genre d'expression? La réponse est oui. Ici, je recommence, je cherche ma valeur recherchée, c'est opérations bancaires, les références, point virgule, les montants. Ici, je veux, qu'est-ce que je veux? Pas de référence si c'est pas trouvé, on l'a vu tout à l'heure. Et maintenant, mode de correspondance, je vais chercher correspondance de caractère générique. Donc je mets 2 dans l'option, point virgule, et je vais rechercher à partir du premier. Donc si je tape ça, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Je vais avoir ref 1, oh yeah. Parce que c'est le premier, d'accord? Donc j'ai bien 50, c'est ce que je voulais. Si je mets l'option du dernier au premier, qu'est-ce que je vais avoir? 70, alors 70 ça correspond normalement à mon dernier élément avec 0,0. Donc 70 c'est bien celui-là, puisqu'après j'ai 0,10 et j'ai pas de 0,0. Autre exemple pointu sur l'utilisation de recherche X. Si jamais je veux faire la somme des montants associés aux opérations du 5 février jusqu'au 12, j'ai ces opérations-là. En face, j'ai ces montants-là. Et je voudrais avoir la somme de ces montants directement. Donc comment je fais? Je vais écrire somme. Mon premier nombre, ça va être ici 40,5. Donc je vais faire un recherche X pour rechercher l'opération de cette date-là dans les dates. Point virgule. Le résultat que je veux, donc c'est les montants. Ensuite, je vais faire un 2 points. Et je vais mettre la recherche X de l'autre date. L'autre date ici, point virgule, la date des opérations. Et en résultat, je veux le montant. Et regardez, ici j'ai bien la somme qui s'affiche depuis le 5, 40,5, jusqu'à la valeur du 12. Ici j'ai bien 1476 en somme. Effectivement, si je rajoute un élément au milieu, je vais rajouter par exemple 1 euro, la formule va être ajoutée. Oh yeah. Comment ça se passe? Si on regarde pas à pas,
Le résultat de cette valeur-là, c'est bien 40,25, on le voit dans l'info bulle. Et ici, on voit bien 25,75. Et donc la somme va bien être faite entre ces deux valeurs-là. Et si je rajoute une ligne, ça sera bien exact. Un petit peu comme si on avait écrit égale somme de ça jusque-là. D11, 2 points D15. Sauf que là, on a le résultat de recherche X à la place de la plage de valeurs. Si tu veux t'entraîner, le fichier est en description de la vidéo. Pense à t'abonner sur la chaîne et à très vite sur une prochaine vidéo.